Se brosser les dents 2 minutes matin et soir, c'est bien. Mais nettoyer en profondeur entre les dents, c'est mieux. Nouvelle brosse électrique ou hydropropulseur qui promettent une action complémentaire s'invite désormais dans nos salles de bain. Alors faut-il se laisser tenter? Éléments de réponse, Mélodie Sforza, David Madège et Muriel Druyat. Simplement, on va venir comme ça. C'est la petite dernière des brosses à dents Sonic, née durant le confinement. Ce jeune entrepreneur l'affirme, elle permet un nettoyage doux et très efficace. En brossage manuel, on a tendance à faire le mouvement horizontal, mais malheureusement, ce n'est pas le bon mouvement. Ce qu'il faudrait faire, c'est un mouvement vertical, toujours de la gencive vers la dent. Et cette technologie permet justement de reproduire cette rotation avec les poils qui vont bouger de manière verticale. Avec 40 000 vibrations par minute, elle permet d'éliminer 45% de la plaque dentaire dès la première semaine par rapport à une brosse manuelle. Elle coûte 59 euros, un petit prix par rapport à ses concurrentes.